Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour cette rencontre. Donc juste pour vous présenter rapidement le cadre, l'ABF nous a gentiment laissé aux deux écoles de formation des conservateurs, donc à la fois l'ANSIB pour les conservateurs d'État et l'INET pour les conservateurs territoriaux, cette carte blanche pour présenter nos travaux. Donc vous allez entendre pendant cette présentation 6 élèves de l'INET et 2 élèves de l'ANSIB. Côté INET, on va vous présenter les travaux que nous avons faits, surtout au cours de nos stages de professionnalisation, qui sont des stages de 4 mois et demi qu'on passe dans une structure sur un projet. Et puis, nos collègues de l'ANSIB vont vous présenter les travaux qu'elles effectuent sur leur mémoire, hein, voilà, les mémoires ANSIB qu'on ne présente plus dans la profession. Pour commencer, donc c'est un format court, hein, nous allons avoir chacun 5 minutes pour vous présenter nos travaux. Je ne sais pas si on aura le temps de prévoir des temps de questions, donc on va peut-être les garder pour la fin. On va enchaîner. Donc pour commencer, excusez-moi, question de timing. Donc pour commencer, voilà la première présentation, Aude et moi-même, allons vous parler de projet de service. Donc pourquoi le projet de service ? Parce que vous ne serez pas sans avoir remarqué que dans le monde des bibliothèques, c'est devenu un incontournable aujourd'hui. Un projet de service, c'est quelque chose qui sert à donner du sens à l'action, à cadrer, à aussi prioriser les actions dans des cadres budgétaires restreints. Il est indispensable aujourd'hui pour une bibliothèque d'avoir un projet de service. Pourquoi nous allons vous en parler à deux ? Parce que nous avons eu la chance de pouvoir intervenir lors de nos stages sur des projets de service, mais à des moments différents. De mon côté, j'ai pu, dans le cadre à la médiathèque de Vaise, dans le réseau des BM de Lyon, participer à la conception du projet de service, là où Aude, à pleine commune, a, elle, de son côté, travaillé sur l'évaluation et la manière de faire vivre le projet au quotidien une fois qu'il est élaboré. Du côté de l'évaluation, de la conception, concrètement, comment mettre en place un projet de service ? En général, quand vous vous lancez dans la démarche, vous avez une méthodologie qui vous est proposée, qui est une méthodologie très efficace et très éprouvée. L'idée, c'est de réunir un groupe de travail, un groupe de pilotage, avec plusieurs personnes qui vont effectuer différentes phases de travail. Un diagnostic, à la fois de la structure et du territoire, suivi d'un benchmark pour essayer de trouver de bonnes pratiques dans d'autres établissements. Une fois tous ces éléments digérés, on fixe des objectifs stratégiques qui vont être les grandes lignes directrices de l'établissement et qui vont être déclinés en objectifs opérationnels. C'est un processus qui est efficace, qui fonctionne très bien, qui a juste un défaut qui est de prendre du temps, de mobiliser des agents sur un temps long et d'être aussi chronophage en temps de réunion. Alors quand on n'a pas ce temps, comment faire ? Eh bien, c'est ce qui s'est passé à la médiathèque de Vaise. On peut prendre les choses dans un ordre différent en s'inspirant des méthodes dites agiles. Les méthodes agiles, en fait, c'est des méthodes qui nous viennent du monde de l'informatique. L'idée de base, c'était que plutôt que de travailler sur un logiciel, donc de monter tout le projet, de présenter au client quelque chose de fini qui a pris 2 ans de travail, et quand le client dit « mais cette fonctionnalité ne va pas, il faut tout reprendre », c'est plutôt de travailler en implémentant des petits modules, commencer par telle fonctionnalité, si elle est validée, on passe à une autre. S'il y a un problème en cours de projet, c'est pas grave, ce qui a été fait reste fait, on ne revient pas dessus. Donc c'est ce qui s'est passé donc, dans le cadre de ce projet de service. Donc concrètement, ça se traduit par d'abord 2-3 réunions de travail avec l'équipe pour définir ensemble des objectifs qui vont servir de trame à la démarche. Ensuite, une fois ces objectifs fixés, eh ben, sur chacun d'entre eux, un petit groupe de travail de quelques personnes va travailler pendant quelques réunions et effectuer tous les diagnostics, benchmarks, afin de faire des préconisations. À la fin, c'est à la direction de reprendre toutes ces préconisations, de les prioriser, les hiérarchiser et de s'appuyer dessus pour rédiger le projet. L'avantage, s'il y a un problème en cours de route, toute la réflexion qui a été faite sur un axe, par exemple, rendre la bibliothèque plus accessible, elle n'est pas à refaire, elle est là, on peut quand même s'appuyer dessus, même si quelque chose vient mettre à mal le projet au cours du temps. Donc voilà, côté conception, je passe la parole à Aude. Bon, alors ça y est, votre projet de service est rédigé, il est même validé par des élus dans le meilleur des cas, il est connu de l'équipe, vous l'avez présenté. Alors comment faire maintenant pour qu'on n'en reste pas au stade de la déclaration d'intention ? C'est facile, on a des super axes, des priorités, on veut vraiment faire irradier la culture sous tout un territoire. Parfait. Alors, l'idée de mon stage, ça a été vraiment de faire infuser, plus que diffuser même, le projet d'équipement pour chacun des agents, partout, tout le temps, quel que soit le grade et la fonction.
Alors comment ? Moi, j'ai voulu proposer des outils. Parce que même si Pleine Commune est déjà un réseau qui est très bien outillé, très bien équipé, ma tutrice, Lucie Daudin, était un peu au stade de l'évaluation de ces outils et voir comment on pouvait les améliorer et les rendre concrets auprès des agents. Donc moi, je suis repartie des tableaux de bord, j'ai fait un gros diagnostic, j'ai été interroger les différents cadres de la collectivité, et puis j'ai été sur des outils que j'espère innovants, ça commence à être un peu une tarte à la crème, mais en tout cas renouvelés, s'inspirer de tout ce que l'on entend en termes d'évaluation, la méthode persona, etc. Et j'ai beaucoup insisté sur l'importance de faire approprier la méthode projet pour les agents. Que clairement, et une fois pour toutes, un projet soit porté par tout le monde, quel que soit son grade, et que l'on se sente légitime pour travailler ensemble sur différentes actions. Alors, voilà, tout simplement, là, je suis contente de vous présenter aujourd'hui ce qui était autrefois mon prototype pendant mon stage, c'est-à-dire un petit jeu de cartes qui présente à chaque agent son rôle dans la collectivité, au sein de l'organigramme, bien sûr, on a chacun une place, mais aussi au sein d'un projet. Où est-ce que j'en suis ? À quoi je participe ? Quel est mon périmètre d'action ? Quel est le périmètre d'action des autres collègues ? Parce que c'est bien de savoir ce qu'on fait, c'est bien aussi de savoir ce que font les autres et que ça reste transparent. Ça permet de communiquer, de dialoguer, parce que voilà, vous avez compris que j'ai beaucoup insisté sur le management. Et puis aussi, eh ben, c'était l'occasion pour moi de présenter l'évaluation aux collègues. Et de dire que l'évaluation, c'était aussi décider ensemble, collectivement, et à des moments prédéfinis dans l'année, sur est-ce qu'on allait arrêter, continuer, modifier les actions qu'on avait en route. Derrière action, on enlève aussi que action culturelle. Hein, on met les services, on propose tout, parce qu'un projet de service se décline en axes stratégiques, opérationnels, puis en actions sur le terrain. Et voilà, en gros, c'est en permanence arriver à zoomer et dézoomer du projet global, au niveau local, on est sur un très grand territoire. Donc comment faire pour que les agents qui travaillent au quotidien dans leur quartier se sentent acteurs du projet de service et pour que le projet de service, incarné un peu aussi par la direction, sache ce qui se passe sur le territoire et sache du coup aussi le défendre auprès des élus et le communiquer auprès des équipes dans leur entier. Voilà. Voilà pour nous. Si vous voulez en savoir plus, on se tient à votre disposition après. Théoriquement, nos rapports de stage et nos livrables, du coup, seront bientôt en ligne sur le site de l'INET. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre-Marie Bonneau et je suis conservateur territorial des bibliothèques, donc à l'INET. Je vais vous parler aujourd'hui de la question de la transformation numérique des institutions publiques et particulièrement de celle des nouvelles exigences citoyennes d'accès aux services. Avant de commencer, je vais poser un peu le contexte avec quatre chiffres tirés du baromètre CGI 2017 du secteur public. 79%. C'est le pourcentage d'acteurs interrogés qui souhaitent transformer leur institution en organisation digitale. 59%, notre deuxième chiffre, des organisations cette fois, estiment que le premier objectif à viser est l'amélioration de l'expérience du citoyen, ce qui passe d'abord pour 62% des acteurs publics sondés par le désilotage, un système plateforme transversal et inclusif. 48%, et c'est notre quatrième et dernier chiffre, enfin, des décideurs placent le big data et l'analytique au centre de leurs priorités informatiques. On le voit, une véritable mutation est à l'œuvre dans les institutions publiques. La transformation numérique, c'est d'une part de nouvelles exigences d'accès aux services publics et d'autre part de nouvelles modalités de fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, je vous parle de nouvelles exigences d'accès. Les nouvelles exigences d'accès, donc, peuvent être résumées en trois. La simplification, la transparence et la co-création des services.
La première des exigences d'accès est celle de la simplification. Pourquoi ? Parce que les Français, nous, en avons marre de remplir des dizaines de formulaires pour une même information. Cette simplification, c'est l'idée de la dématérialisation. Et évidemment, sauf que cette dématérialisation, elle exclut des gens. 13 millions de personnes selon le dernier baromètre du numérique. Et évidemment, les gens exclus sont les gens qui sont déjà en situation de grande précarité ou d'exclusion sociale. Ce sont les gens qui sont déjà le plus touchés par des problèmes. Alors comment faire ? Il faut que nous fassions passer la simplification par l'inclusion numérique, la médiation, la littératie numérique. Les bibliothécaires et les bibliothèques sont en première ligne, tout comme les EPN, pour accompagner les citoyens. La deuxième exigence d'accès consiste à agir en transparence. Pourquoi ? Parce que les Français ont le droit de savoir ce que font les gens qui travaillent pour eux. Cette transparence, c'est à la fois dialoguer et donner à voir son activité. L'État, les collectivités, les administrations, les institutions doivent désormais se penser comme immergées dans la société et accepter d'être utilisées par les citoyens. Mais comment faire ? D'une part, il faut communiquer sur son action tout azimut. Et d'autre part, il faut s'inscrire au sein du mouvement d'ouverture des données publiques, l'open data. C'est aujourd'hui une obligation légale pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants. Le mouvement de l'open data, c'est à la fois rendre plus transparente et plus fluide l'information. Et c'est ainsi améliorer la confiance du citoyen en son administration. Mais c'est aussi un moteur de l'implication citoyenne, du développement économique, écologique, social des territoires. La troisième et dernière exigence d'accès est la conséquence des deux premières, simplification et transparence. C'est la co-création de nouveaux services. Pourquoi ? Parce que les Français, s'ils peuvent accéder plus facilement aux services, qu'ils reprennent confiance en leurs institutions, voudront participer à la vie publique. Comment faire alors ? C'est à nous, bibliothécaires, animatrices et animateurs de PNL, acteurs et actrices du service public, de constituer et d'animer des communautés. La communauté devient alors un acteur de l'inclusion et de la dynamisation de l'institution. En organisant des hackathons ou d'autres occasions de rassemblement autour des pratiques et des connaissances, nous participons et nous contribuons au capitalisme cognitif et à l'intelligence collective. En d'autres termes, si vous voulez être créatif et innover, invitez des gens et mettez en commun. Un service public doit être construit autour des besoins réels et donc avec les usagers. Pour résumer, les trois maîtres mots sont simplification, transparence et co-création. Mais il ne s'agit là que des nouvelles exigences d'accès aux services. Comme je l'ai signalé en début de présentation, la transformation numérique implique également une adaptation de l'organisation. Et si le sujet vous intéresse, je fais un peu d'autopromo. Je vous invite à regarder mon blog cdonnes.com, cdonnes.com, où j'aborde ce sujet sur un document de 35 pages, donc de manière plus exhaustive. Je vous laisse le temps de noter. Non, j'aimerais terminer avec un texte que j'aime beaucoup. Il est issu du rapport public annuel de la Cour des comptes, alors partez pas. Et j'espère qu'il vous plaira. La Cour des comptes écrit « La modernisation de l'action publique veut abaisser les frontières entre toutes les administrations publiques par la circulation des données qu'elle déclenche et par la dynamique d'innovation ouverte qu'elle rend possible. Par ses principes d'architecture, elle tend à faire profiter l'économie et la société des investissements publics réalisés dans le champ du numérique. » Il faut cesser, pour l'État, pour les institutions, il faut cesser de penser que l'information doit descendre et être appliquée. Aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes paradoxes, on n'est plus sur les mêmes paradigmes. Il faut participer, contribuer, être transparent et simplifier l'accès. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous et à toutes.
Alors, chrono. Alors moi, je vais vous parler de mon sujet de stage de professionnalisation que j'ai effectué au sein du service des médiathèques de la... au sein du service des médiathèques de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, où j'ai travaillé sur le sujet que vous voyez affiché, gouvernance territorialisée de la lecture publique. Alors, je dois vous avouer une chose, c'est que quand j'ai pris connaissance du sujet de stage, je me suis sentie assez bête parce que gouvernance, en fait, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire en vrai, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les discours, c'est un mot un peu à la mode, mais qu'est-ce que ça recouvre vraiment ? Alors, je vais vous proposer une définition que j'ai construite, notamment en écoutant un MOOC très intéressant du CNFPT sur la gouvernance territorialisée, la gouvernance territoriale. Pardon. La gouvernance, c'est un nouveau paradigme pour penser l'élaboration des politiques publiques. C'est un nouveau paradigme qui s'appuie sur l'idée que la collaboration stratégique d'une pluralité d'acteurs est porteuse de sens. Donc, c'est un paradigme qui vise à aller un peu plus loin que toutes les démarches d'association qu'on constate dans l'ensemble des champs des politiques publiques, design thinking, user experience, budget participatif, mais d'aller sur le plan stratégique pour construire les politiques publiques. Si on prend le champ qui nous intéresse ici, la lecture publique, on sera tous d'accord pour dire qu'une pluralité d'acteurs sur un territoire, et pas uniquement les bibliothèques, y contribuent. Les associations, les autres services publics, services éducation des collectivités territoriales, l'éducation nationale, le tissu privé avec les librairies, mais d'autres types d'acteurs peuvent également être impliqués. Le fait de pouvoir faire collaborer à un niveau stratégique l'ensemble de ces acteurs est une, pour moi, revêt de la pertinence et de la cohérence des politiques publiques sur un territoire. Voilà pour une définition un peu à gros traits de ce que je mets derrière la gouvernance. Mais alors, première question que je me suis posée quand j'ai pris connaissance du sujet de stage, et après je me suis forcément posé aussi une autre question sur qu'est-ce que j'allais bien pouvoir vous dire ce matin sur ce sujet-là en 5 minutes, et finalement je m'aperçois que je ne tiendrai pas le temps, mais on va y arriver. Il y a un angle qui paraît vraiment super important dans ce projet de dans ce sujet de la gouvernance, c'est un sujet qu'on aborde peut-être pas souvent à l'ABF, mais que je voulais vraiment, c'est vraiment l'angle que je voulais apporter ce matin, c'est la place du manager, de notre place de manager, parce qu'on est élève conservateur, donc forcément c'est un peu l'angle qu'on privilégie dans ce projet de gouvernance. Pour le manager, ça implique trois fonctions principales, une fonction de promoteur, donc tisser des contacts sur le territoire, une fonction de coordinateur, créer des espaces de négociation pour permettre justement la construction d'objectifs avec les autres acteurs du territoire. Et la fonction principale que je retiendrai, c'est la fonction de propulseur. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans tous les projets qui impliquent une pluralité d'acteurs, le plus difficile, c'est de tenir dans le temps. Cette fonction de propulseur, elle implique pour le manager de vraiment infuser en dynamisme le projet de gouvernance. Alors du coup, pour le manager, c'est peut-être une certaine forme de courage. Le courage de remettre en cause ses méthodes, son logiciel interne, sa façon de fonctionner. Le courage de porter une nouvelle modalité d'organisation du service public auprès de ses élus. Le courage de porter cette nouvelle modalité d'organisation auprès de ses équipes. Pardon. Le courage aussi d'accepter que cette pluralité puisse être une source de complexité. Parce qu'on sait très bien que quand je vous parle d'associer des acteurs à un niveau stratégique, on voit déjà tout de suite les problèmes logistiques de caler des réunions, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter avant tout. Le courage aussi en tant que manager d'accepter que ce projet de gouvernance soit aussi relève de notre responsabilité, même si notre responsabilité dans cette réussite ne serait pas pleine et entière, mais serait partagée. Le courage d'accepter de perdre le contrôle en ouvrant des espaces de négociation auprès des autres acteurs du territoire. Le courage aussi dans ce projet de gouvernance de poser des règles de fonctionnement et de les faire respecter. Le courage de porter dans ces espaces de négociation les enjeux de sa propre collectivité.
le courage d'être, de se mettre réellement, j'insiste sur réellement, à l'écoute des besoins du territoire. Le courage aussi de faire confiance à l'intelligence du territoire. Le courage de remettre en question, de remettre en cause peut-être des orientations qui ont été prises avant l'association de cette pluralité d'acteurs et donc de ne pas gravir l'échelle des engagements. Le courage d'accepter, peut-être que c'est le principal, d'accepter que la bibliothèque, en fait, n'est qu'un outil au service des politiques publiques. Alors, vous l'aurez peut-être compris, ce paradigme de la gouvernance, moi, il me plaît beaucoup, parce qu'il permet de repenser l'élaboration, les modalités d'élaboration des politiques publiques et de re-questionner, peut-être, un peu, notre place de manager. Alors, pour moi, la gouvernance est un concept d'avenir, et c'est à nous de nous en saisir. Merci. Bonjour. Alors, moi, je suis Cyril Clavel, donc élève conservateur à l'INET, et je vais vous faire un retour sur des observations que j'ai pu faire à la fois en Finlande sur une première partie de mon stage pendant 2 semaines, et ensuite au sein du réseau des bibliothèques de Lyon, sur la question de la participation des publics. Donc, en Finlande, j'ai surtout observé ce qui se passait. Et à Lyon, j'ai à la fois observé et fait quelques préconisations pour l'éventuel et le potentiel développement de la participation au sein des bibliothèques de Lyon. Alors pour la partie Lyon, en fait, en 5 minutes, le réseau étant tellement vaste, j'ai considéré que c'était quasiment impossible de vous restituer cela en 5 minutes. Donc je vais surtout parler de la participation en général, et pour la partie en fait, voilà, des préconisations, ben, je vous renvoie au rapport qui sera publié sur le site de l'ENSIB. De l'INET, oui. C'est pas un souci. Alors, il faut que je tienne dans les 5 minutes, donc je reprends tout de suite. La participation des publics, de quoi parle-t-on ? Alors moi, en fait, je parle de la participation, enfin, ce que j'ai observé, c'est la participation en général, donc pas précisément les techniques de co-design, de design thinking, qui sont des techniques très très précises, mais vraiment là, c'est la manière dont on associe les publics aux actions et éventuellement la gouvernance des bibliothèques de manière vraiment générale. Donc il s'agit en fait de passer d'un fonctionnement vertical en fait au faire ensemble et au faire avec les publics. Cette façon de faire, ces méthodes en fait peuvent intervenir à plusieurs niveaux. Au niveau d'un projet d'établissement, qui est un niveau global, mais aussi au niveau d'une bibliothèque, d'une structure, voire même au niveau d'un service à l'intérieur d'une bibliothèque. Comment ? Quelles sont les pratiques que j'ai pu observer ? Alors, ce ne sera pas une liste exhaustive, mais enfin, en tout cas, c'est quelques pratiques. À Helsinki, par exemple, pour la future bibliothèque centrale donc, qui va ouvrir à la fin de l'année, les opérations de participation des publics ont commencé par des campagnes participatives où les bibliothécaires sont sortis de leur mur pour aller interroger les publics, pour leur demander de quelle manière ils voyaient la bibliothèque de demain qui allait ouvrir à Helsinki. Ça s'est aussi traduit par des budgets participatifs, notamment pour la partie Fab Lab de la future bibliothèque. Ça s'est bien sûr traduit par des ateliers participatifs, et notamment je pense à ce qui s'est fait dans la commune de Vantaa, que je suis aussi allé observer à l'est d'Helsinki, où des ateliers participatifs ont été faits par exemple autour de la question de la classification des documents. Les usagers disant aux bibliothécaires, on ne comprend pas la classification qui est faite dans vos bibliothèques, on ne comprend rien. Donc il y a des ateliers qui ont été faits avec le public pour repenser la classification des documents. Il y a bien sûr aussi les techniques traditionnelles de design thinking, l'observation, les murs de post-it qui sont connus. Je pense notamment là à la bibliothèque de Point Library à Vantaa.
À Lyon, on a des acquisitions participatives hein, qui sont désormais assez connues, les opérations Monter le son pour les disques et Funambule pour les BD, donc où il s'agit d'acquérir des documents en participation avec les publics. Il y a aussi en ce moment à Lyon un projet de bibliothèque éphémère qui se construit à travers des ateliers avec les citoyens. Et un exemple qui m'a beaucoup intéressé en Finlande, c'est l'exemple du quartier, de la bibliothèque du quartier de Monula, où la bibliothèque, le projet a été co-construit entre les citoyens et les fonctionnaires. Mais maintenant que l'établissement est ouvert, il y a une gouvernance partagée au sein d'un comité directeur qui associe des citoyens élus représentant donc le forum des citoyens et les bibliothécaires. Qui est concerné ? Qui peut être concerné par la participation ? Bah d'abord, en Finlande, on fait participer les enfants en les recrutant via l'école, bien évidemment. Les équipes ont monté des livrets d'activités pour pouvoir recueillir de l'information des enfants sur la manière dont ils voyaient la bibliothèque. On les invite aussi à faire des maquettes de bibliothèques dans des ateliers, notamment à l'école. Et aussi une technique qui est intéressante, faire du storytelling en disant ce que les gens pourraient faire à la bibliothèque quand ils viennent, de façon à récupérer de l'information sur leur façon de voir la bibliothèque à eux dans leurs yeux d'enfant. Les adolescents, à Helsinki, on les invite à dessiner la bibliothèque idéale. On leur prête des iPads pour photographier la bibliothèque, pour dire ce qui convient, ce qui ne convient pas, ce qui pose problème, éventuellement. On fait de la modélisation sur SketchUp, vous savez, ce petit logiciel où on peut, en 3D, construire des espaces. Et on a aussi des interviews vidéo sur le mode « Tu la vois comment, la bibliothèque ?». Les adultes, bien sûr, sont concernés, avec un véritable problème de recrutement des adultes, car parfois les ateliers participatifs ne trouvent pas leur public, il faut le savoir. Donc il y a une vraie question, et aussi la question de la représentativité des panels de citoyens que l'on a en face de soi pour construire la participation. Alors bien sûr, les techniques traditionnelles de design thinking dont on a déjà parlé, les ateliers, les World Café, les murs de post-it, mais aussi des boîtes à idées dans les bibliothèques finlandaises où on récolte l'information, où on a du feedback, et aussi le feedback en ligne à travers des questions qui sont posées via les sites internet. La participation, c'est aussi en interne, ça concerne les professionnels, bien évidemment, donc la participation dans les équipes, avec un travail des bibliothécaires, notamment les bibliothécaires finlandais d'Helsinki, qui travaillent en atelier en interne sur la matière récoltée pendant les ateliers publics. À Lyon, ça s'est traduit lors de l'événement Démocratie par une formation d'une partie des équipes qui, elle aussi, a expérimenté des techniques apprises lors de ces formations avant de les utiliser avec les publics. Évidemment, la participation des publics a ses limites. Elle est d'abord chronophage, c'est du travail en plus du travail classique, donc il faut bien évidemment l'intégrer dans les plannings de travail. Il faut savoir qu'elle ne s'adapte pas forcément à toutes les problématiques, ça n'est pas la baguette magique qui répond à toutes les questions. C'est une méthode parmi d'autres qui vient compléter l'enquête, l'interview, l'observation qu'on peut avoir traditionnelle. Et enfin, il faut savoir accompagner les équipes et manager la participation au sein des équipes. Ce sont des techniques qui peuvent poser questions, qui peuvent interroger, qui peuvent même éventuellement créer vraiment une certaine inquiétude. En tout cas, il faut prendre cela en compte. Il y a des limites, bien sûr, mais il y a aussi des bénéfices. Pour les usagers, c'est une nouvelle relation avec les usagers qui s'approprie davantage l'offre de la bibliothèque, puisque c'est leur bibliothèque à partir du moment où ils réfléchissent à cette bibliothèque avec nous. Donc ils sont beaucoup plus réceptifs aux services bien évidemment proposés. Pour les bibliothécaires, c'est une meilleure connaissance des publics. Ce sont aussi des idées neuves, un apport de compétences, en plus des compétences des bibliothécaires. Ça ne vient pas remplacer les compétences des bibliothécaires, mais ça en apporte en tout cas de nouvelles. C'est de la possibilité pour nous de faire de la pédagogie auprès aussi des publics sur le métier que l'on exerce. On n'a pas toujours la possibilité d'expliquer ce que l'on fait. La participation, c'est un temps où les citoyens voient précisément ce que l'on fait, puis ce que l'on fait avec eux. Et puis enfin, ça met de la transversalité dans les équipes, puisqu'évidemment, on travaille ensemble autour de ces questions. Enfin, pour la bibliothèque et pour conclure, c'est la création d'une communauté d'usagers autour de la bibliothèque qui reste attachée à la bibliothèque puisqu'elle a travaillé avec les bibliothécaires à travers les ateliers. C'est à tous les coups un gain en termes d'image et au final, c'est une bibliothèque mieux intégrée dans son environnement.
Merci. Bonjour, moi je m'appelle Cécile Capot, je suis élève conservatrice à l'ENSIB, tout comme ma collègue Clémence. On a commencé notre scolarité début janvier et nous allons vous présenter nos mémoires sur lesquelles nous commençons de travailler puisqu'on a un an pour travailler dessus, donc pour l'instant on est au début de nos travaux. Alors, de mon côté, j'ai choisi de saisir l'opportunité de ce mémoire pour m'ouvrir à des domaines que je ne connaissais pas, notamment la lecture publique. Et d'un autre côté, j'étais aussi intéressée par la coopération. Donc, encouragée par Fabrice Boyer, qui est devenu mon directeur de mémoire, j'ai décidé de travailler sur les relations possibles entre les BU et la lecture publique. Donc... pour l'instant, les premières pistes que j'ai dégagées ou les premières orientations que j'envisage pour mon mémoire, c'est d'abord de partir sur un mémoire qui a été fait il y a 10 ans par Muriel Pénichon, qui est aujourd'hui à l'Université de Nantes et qui portait à peu près sur le même sujet. Donc j'aimerais faire un bilan en fait, des expériences, des projets qu'elle a recensés dans son mémoire. Et pour le moment, j'ai cru comprendre que finalement les projets qu'elle avait recensés n'avaient pas abouti. Donc c'était plutôt des échecs et la question des limites, des échecs est aussi une question qui m'intéresse beaucoup et qui serait intéressant d'explorer. Partant de là, j'aimerais me pencher sur les contextes actuels. Comme ceux de la réforme territoriale, l'extension des horaires d'ouverture par exemple, pour me demander si ces contextes-là sont des opportunités ou bien des freins aux relations entre bibliothèque universitaire et lecture publique. Et en fait, j'aimerais plus largement me poser la question des enjeux que peut soulever cette question de coopération entre bibliothèque universitaire et lecture publique. Quels sont les enjeux que ça peut soulever de façon plus générale? Est-ce que les bibliothèques peuvent se rejoindre, quel que soit leur statut administratif, autour de missions qui leur seraient communes? Et si oui, quelles seraient ces missions? Donc voilà pour les premières pistes que j'ai dégagées. En ce qui concerne la méthode et les sources sur lesquelles je vais m'appuyer pour réaliser ce mémoire, donc j'ai prévu de faire deux enquêtes, une à destination des BM et des BU. Et j'aimerais vous distribuer par l'intermédiaire de Clémence mon projet d'enquête. Donc c'est le projet le plus abouti que j'ai pour le moment. Voilà, pour voir si vous voulez, si ça vous intéresse, ce que vous en pensez, vos réactions, que vous soyez intéressé par le sujet ou... votre avis de façon générale. Et ma deuxième enquête serait à destination des conseillers livres et lectures. Sinon, j'envisage aussi de m'appuyer sur des entretiens. Là, la question des entretiens est assez délicate parce qu'il y a des projets emblématiques qui ont existé ou qui existent, comme par exemple à La Rochelle ou à Valence. Donc, c'est des projets qui sont faciles à cibler, mais en travaillant... là, ces premiers mois sur ce sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de petites initiatives comme, je ne sais pas, un projet de numérisation, une convention de réciprocité, des micro-projets comme ça qu'il est difficile de retrouver dans la documentation professionnelle. Donc là aussi, si jamais parmi vous, il y en a qui ont mené des projets ou qui ont été témoins de projets qui ont abouti ou non et qui... avec qui s'intéresserait de,
d'entrer en contact avec moi, j'en serais très heureuse. Vous trouverez mon adresse sur les, sur les enquêtes, et puis sinon on peut discuter après ou sur le stand de l'ENSIM. Et ben, je m'appuierai aussi sur la documentation professionnelle, les sites internet des établissements. Et je me rends compte que bah, c'est bientôt à Clémence de parler, donc je te passe le micro. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Clémence Desrues, je suis également DCB27, donc élève conservatrice à l'ANSSI, parce que ce terme de DCB ne veut pas dire grand-chose sinon. Et je suis très très heureuse d'être aujourd'hui ici à l'ABF, voilà, par inclinaison, par un petit peu passion aussi pour la lecture publique, et puis aussi parce que ça correspondait avec mon sujet de mémoire. Et je voudrais juste vous rappeler cette phrase du congrès qui m'a intéressée dans la présentation du programme, notamment sur l'utilité humaine de la bibliothèque. Donc, quelle est l'utilité humaine de la bibliothèque, ce que font et ressentent les gens lorsqu'ils viennent, les interactions avec le ou la bibliothécaire qui doit s'inscrire dans le mouvement. Alors, il y avait tous les mots, là, tout a été dit, tous les mots de mon mémoire, ressenti, mouvement, bibliothécaire, donc c'était absolument parfait. Voilà, parce que je vous livre mon sujet, ne partez pas tout de suite, mais je travaille donc sur les réticences des bibliothécaires de lecture publique face aux évolutions du métier. Donc voilà, c'est peut-être un peu négatif là comme ça, mais vous allez voir, c'est passionnant, parce qu'on travaille sur de l'humain. Alors ce choix de sujet de mémoire, c'est moi qui l'ai proposé, ça part d'une expérience professionnelle. J'ai travaillé 3 ans en bibliothèque de lecture publique, et voilà, qui n'avait pas une grande appétence pour l'action culturelle, qui était quand même somme toute assez classique. Et un jour, moi j'arrive, j'avais 22 ans, j'étais passionnée, je dis on va faire une activité de bibi karaté un samedi après-midi à la bibliothèque. Donc on était en région parisienne, le bibi karaté c'était pas trop l'ambiance. Et j'avais la chance d'avoir une conservatrice donc, qui m'a soutenue, qui a lancé le projet, on l'a développé. Et ça a vachement bien marché, c'est-à-dire que le public était au rendez-vous, là on a cartonné, les collections sont sorties, on a fait vraiment un très chouette travail de médiation. Mais les réticences, elles sont venues de la part de mes collègues. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu autant à justifier mon action et mon activité culturelle de ce samedi-là que lorsque j'ai lancé l'activité Baby Karaté. Donc ça m'a un petit peu interrogée parce que, bon, il y avait toujours les bruits de couloir, la machine à la café, mais j'ai surtout des collègues qui sont venus me voir frontalement et qui m'ont dit pourquoi. Et moi, j'ai répondu parce que. Alors, forcément, ça faisait un peu discussion de sourds parce qu'ils n'avaient pas d'arguments, j'avais pas d'arguments. On est resté bloqué là un peu sur nos positions et on n'avait pas les mots en fait pour définir ce qu'on ressentait et pour un peu bah, se positionner. Et c'est vrai, quand j'ai eu le concours, donc l'année d'après, et que j'ai su que je devais faire un mémoire, je me suis dit, bah, c'est la possibilité aussi d'avoir un an, à peu près un peu plus d'un an, pour réfléchir sur ce sujet-là, et en fait, pour arrêter de dire pourquoi parce que, de dire pourquoi et de trouver éventuellement des idées, et puis parce que, voilà, pour trouver aussi de voilà, mettre des mots en fait sur ce que les gens ressentaient. Donc le sujet peut paraître un peu abrupt, mais finalement, voilà, on travaille sur de l'humain, on travaille sur du ressenti, et je tiens d'ores et déjà à dire que j'ai pas de préjugés du tout sur ce que va donner ce mémoire. C'est-à-dire que je pars pas dans l'idée de dire il faut absolument évoluer, on va tous y arriver ou faut pas le faire. C'est vraiment, j'ai envie de faire voilà, un panorama, une vue d'ensemble, voir comment la profession le ressent et puis surtout pour accompagner. Parce que c'est bien beau de dire il y a une réticence, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Mais l'idée c'est vraiment de vouloir accompagner les gens et voir ce qu'on peut en faire après avec. Ces questions d'évolution du métier, de toute façon, c'est quelque chose dont on parle tout le temps. C'est un peu comme l'innovation, c'est le mot à la mode. Il suffit de regarder un petit peu le nombre de journées d'études qui sont consacrées à ce sujet-là, notamment à l'ABF, les publications, donc les derniers numéros du BBF ou de bibliothèque. Et puis, il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup intéressée dans la dernière publication de Nathalie Marsourou-Ramel sur les métiers de bibliothèque, donc, qui est parue en 2017 aux éditions du Cercle de la librairie. Voilà, on est passé du métier de bibliothécaire au singulier, au métier de bibliothécaire au pluriel. C'est un choix qui a été assumé, qui a été repris dans son introduction d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça très intéressant de voir la recommencer en disant comme ça, il n'y a plus un métier, on n'est plus bibliothécaire, on est plein de choses, il y a plein de facettes. Et peut-être que tout le monde ne s'y retrouve pas ou tout le monde n'a pas encore réussi à trouver sa place. Donc ça, c'était, voilà, outre un peu l'aspect anecdotique du baby karaté, c'était quand même l'occasion de me pencher vraiment sur plus généralement la définition de la profession, qui sommes-nous, vers quoi voulons-nous évoluer, et surtout comment nous positionnons-nous à l'intérieur de nos structures. Donc un petit point méthodologique, sinon c'est pas drôle, donc je vais quand même lancer une enquête, un questionnaire, et là vous vous doutez tous encore un questionnaire, alors oui je vais vous harceler avec,
Mais ça m'a semblé intéressant parce que comment parler de la profession et de ce que ressent la profession si on ne l'interroge pas ? Faire un focus sur toi, bibliothèque, c'était un petit peu réducteur. Donc voilà, mon ambition, c'est quand même d'avoir un questionnaire assez large qui vise quand même beaucoup de personnes et surtout pas uniquement des catégories A ou des personnes qui viennent au congrès de l'ABF et qui sont déjà finalement, bon, vous êtes ici parce que ça vous intéresse, parce que vous vous posez des questions, parce que vous sortez un petit peu votre cadre professionnel. Mais il y a beaucoup de professionnels qui n'ont pas cette chance-là. Et c'est de voir comment eux le ressentaient, comment eux le pensaient pour pouvoir éventuellement derrière les accompagner. Alors après, un Google Form, ça reste quand même très, très, très institutionnel, c'est pas très sympa, donc il y a quand même des entretiens également qui vont être menés. Sur un sujet aussi personnel qu'un ressenti, c'est compliqué de passer par du papier, donc on va quand même remettre un petit peu d'humain là-dedans. Et donc je vais mener également quelques entretiens. Et puis également, je vais pouvoir m'appuyer sur l'enquête qui a été lancée à la demande de l'ABF en 2014, donc par Émilie Fernandez, qui est désormais conservatrice territoriale des bibliothèques et qui est dans la salle. Et ben, j'en profite pour la remercier parce qu'elle a bien voulu me communiquer les résultats de son enquête qui avait été menée en 2014. Donc pouvoir aussi s'appuyer déjà de quelque chose d'existant parce qu'on vous avait déjà posé la question de comment vous voyez votre métier dans 10 ans. Voilà, de pouvoir pas être redondant, pouvoir s'appuyer là-dessus et voir que finalement c'est quelque chose qui va intéresser le métier. Donc je le répète, j'ai absolument aucun préjugé sur ce que ça va donner. C'est un mémoire d'enquête, un mémoire d'entretien. Si ça se trouve, ça va échouer, si ça se trouve, ça va réussir. On n'en sait rien, mais c'est ça qui est intéressant. Parce qu'une matière imprévisible comme l'humain, c'est absolument passionnant. Recueillir la parole, recueillir le ressenti des gens aussi. Donc c'est un vaste chantier et je suis ravie de le mener pendant l'année qui me reste. À l'ENSIM. Partez pas manger parce qu'après moi, il y a aussi Benjamin Sauzin qui va présenter une stratégie pour l'accueil des seniors en bibliothèque. Donc en attendant de... Clic droit et ouvrir avec, ça. Merci. Moi, je m'appelle Aude Étriard. Je suis aussi élève conservatrice des bibliothèques à l'INET. Je reste debout parce que je ne suis pas grande. Je vais vous parler signalétique. Donc, la première chose qu'on fait quand on rentre dans un nouvel espace en général, c'est qu'on regarde, enfin, on balaye l'espace, généralement plutôt de gauche à droite, d'ailleurs, c'est bon à savoir. Donc, on est à la recherche de repères visuels. Et ces repères visuels, quand ils sont formalisés, ça s'appelle la signalétique. Et c'est très souvent sous-estimé en bibliothèque ou ailleurs. Donc, moi, mon stage de professionnalisation, il était au sein des bibliothèques de la ville de Rennes, dans les bibliothèques de quartier. Il a consisté à faire des propositions pour la mise en place de signalétique, une signalétique harmonisée dans les bibliothèques de quartier. Je ne vais pas vous parler forcément des résultats. Je ne vais pas vous parler non plus beaucoup de la méthode suivie. Enfin, sachez qu'elle elle était inspirée des méthodes de design d'expérience, d'expérience utilisateur, pardon. En fait, je voulais utiliser les 5 minutes pour vous convaincre que oui, ça vaut le coup de passer du temps et un peu d'argent à réfléchir à une bonne signalétique. Donc, avec divers arguments. Le premier argument, en fait, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est que la signalétique, c'est le premier contact qu'on peut avoir avec cet espace. Et donc, il est assez déterminant, y compris pour les toutes premières fois où on rentre dans un espace, c'est-à-dire qu'on va avoir, du coup, la possibilité d'avoir un rapport convivial ou non à un espace. On a tous déjà fait 3 fois le tour d'un supermarché à la recherche de coton-tige qu'on ne trouvait pas. Et donc, c'est pareil en bibliothèque. Si on veut garder les usagers,
il faut aussi pouvoir leur garantir un environnement voilà, agréable. L'autre argument, c'est peut-être le plus important, et c'est celui que j'ai développé le plus, c'est qu'une bonne signalétique, ça favorise l'accessibilité de nos services. Donc par différents aspects, le respect de normes graphiques qui sont bien décrites dans l'ouvrage La signalétique en bibliothèque de Maria de Miribel, ou un autre document qui est très accessible facilement sur Internet que je conseille, qui s'appelle Pour une signalétique accessible à tous. C'est la Cité du design qui a produit ce document, c'est pas spécifique aux bibliothèques, c'est aussi sur la signalétique extérieure, mais il y a énormément d'éléments, notamment pour garantir l'accessibilité universelle. Nous, à Rennes, on a travaillé les pictogrammes, donc les pictogrammes favorisent l'accessibilité aussi aux personnes qui sont éloignées de la lecture, les allophones aussi, ou même les malvoyants, parce qu'un pictogramme, ça se mémorise plus facilement en fait, que certains mots. Par contre, il faut être vigilant, puisque les pictogrammes ne constituent pas pour autant un langage universel. Il y a aussi voilà, des référents culturels, des formes très variées de handicap qui font qu'on peut lire différemment un pictogramme. Donc il ne s'agit pas non plus de produire un langage universel. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on a fait des tests auprès de personnel en situation de... Enfin, pas de personnel, de personnes en situation de handicap mentaux pour un peu voir s'il y avait une... si un consensus pouvait se dégager sur l'interprétation de certains pictogrammes. Et puis, troisième élément très important à travailler pour une signalétique accessible, c'est le lexique. On oublie trop souvent qu'on peut parfois jargonner, que les mots qu'on utilise sont aussi voilà, le lieu de la subjectivité, l'interprétation, etc. Donc, voilà, je vous encourage aussi à tester les termes que vous pouvez utiliser en signalétique dans vos bibliothèques. Je vais prendre comme exemple... exemplaire, le terme de documentaire qui, pour les bibliothécaires, signifie quelque chose de souvent très différent que l'ensemble de la population qui pense plutôt vidéo-documentaire. Donc, une bonne signalétique, elle est là aussi pour favoriser l'autonomie des usagers. On oublie trop souvent qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les aide à trouver des documents, soit par envie de confidentialité, soit par timidité. Parfois, on n'est juste pas disponible aussi à leur proposer une aide, donc il faut garantir que le cheminement vers le document recherché puisse être réalisé par l'usager. Ça signifie qu'il faut penser au parcours en fait, hein, des usagers. Penser une signalétique, c'est vraiment penser la circulation dans les flux. Si une méthode très, très utilisée pour élaborer une signalétique, c'est l'observation des flux dans une bibliothèque. Si vous le faites dans vos bibliothèques, vous allez voir que vous allez avoir des autoroutes et des petites routes de campagne qui vont être prises que par certains usagers habitués parce qu'ils savent qu'il se cache quelque chose derrière. Donc pour éviter d'en faire une chasse au trésor, ce petit exercice peut être très intéressant si vous voyez qu'il y a des routes de campagne entre guillemets qui restent méconnues de beaucoup d'usagers. Ça vaut peut-être le coup de penser à la signalétique à l'intersection de l'autoroute et de la route de campagne. Voilà. Et donc derrière, en fait, j'ai réalisé pendant ce stage que la signalétique, c'est une affaire de politique documentaire. C'est-à-dire que derrière, de projet de service en général, parce que derrière, en fait, on a l'impression que les usagers savent d'emblée que une médiathèque offre une grande diversité de services. Or, tous les jours, il y a des gens qui découvrent qu'il y a un photocopieur caché au fond de la bibliothèque, qu'il y a des DVD que l'on ne voit pas, etc. Donc, c'est aussi une valorisation des collections que de penser la signalétique. Et puis, enfin, la signalétique, c'est aussi bon pour le confort des agents et pour éviter de répondre 60 fois à la même question, par exemple celle-ci. Donc, je voulais juste insister une fois de plus sur le fait que la signalétique, c'est un peu comme un index dans un livre de recettes ou un menu dans un restaurant. Sans, on ne peut pas faire. Donc, pas forcément se contenter d'imprimer des feuilles A4 et les coller sur les côtés des rayonnages. Vraiment essayer d'y passer du temps, et y compris avec les usagers qui sont quand même voilà, nos cibles. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, pour recommencer. Bon, dans le cadre de... Donc, voilà, je recommence, pardon. Excusez-moi. Comme vous le savez certainement, il se construit actuellement à Bayeux une bibliothèque d'un genre tout à fait nouveau qui s'appelle les 7 lieux. On en a parlé dans la presse professionnelle, vous avez pu suivre le hashtag Projet Bayeux, vous avez pu lire le blog de Nicolas Bedon, vous avez même certainement lu l'article sur le prêt d'objet dans le dernier numéro de Bibliothèque. En tant qu'élève conservateur, quand il s'est agi de choisir un stage de professionnalisation, je voulais évidemment être à la pointe de l'innovation et aller là où ça se passait, en fait. J'ai rencontré Nicolas Bedon et on est très vite arrivé à la conclusion que le sujet qui était à la pointe de l'innovation, celui sur lequel il fallait vraiment aller, c'était les seniors. Alors, les seniors, pourquoi ? Parce que, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens comme ça dont on comprend un peu pour acquis dans nos bibliothèques. Et les seniors en font partie. On leur propose des belles collections, on a des livres en gros caractères, on a des romans de terroir, on a des livres lus. Donc on a vraiment tout pour plaire. Et puis, pour autant, on se rend compte que peut-être ils ne viennent pas forcément. Et donc la question, c'est comment on crée de la pertinence dans nos actions. Alors la pertinence, c'est quoi ? C'est un concept qui a été inventé par une directrice de musée, mais qui est très bien quand même, qui s'appelle Nina Simon, qui est américaine, et qui a écrit un livre qui s'appelle The Art of Relevance, donc l'art de la pertinence en français. Et la pertinence, c'est très simple. Une action est pertinente si c'est plus simple à faire que les obstacles qui nous empêcheraient de le faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est assez attractif pour que je prenne la peine de le faire. Et on se dit, la bibliothèque, elle est très attractive, elle est gratuite ou elle n'est pas chère, et elle propose tout ce qu'on a dit auparavant. Mais pour autant, en rencontrant les différentes associations, en parlant avec un peu différentes personnes, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'usages qui existaient à côté de la médiathèque et qui étaient tout à fait compatibles. Par exemple, les clubs de lecteurs qui vivent très bien sans la médiathèque. Pourquoi ? Peut-être parce que certains obstacles leur paraissaient infranchissables. Par exemple, les personnes qui en font partie veulent toutes lire le même livre en même temps. Nous, on n'a pas forcément 12 exemplaires du même livre. Elles veulent en discuter ensemble. Et puis, nous, on va peut-être leur dire de se taire. Elles veulent pouvoir prendre un café en discutant, et on va peut-être leur interdire de boire à l'intérieur de la médiathèque. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on peut mieux servir les gens. On l'a vu lors de la conférence inaugurale de ce congrès, que les personnes ne sont pas seulement des usagers qu'on vise particulièrement, ce sont aussi des ressources, ce sont des personnes qui veulent nous apporter des choses. Le fait d'aller vers les gens est, je pense, peut-être la grande innovation qui vient pour notre métier. Le fait d'aller parler aux gens, d'aller rencontrer des associations, d'aller rencontrer des institutions qui travaillent avec des publics qui pourraient venir, qui devraient venir, mais qui ne viennent pas encore. Et le fait de parler avec ces gens, finalement, ça va nous permettre de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, et pourquoi ils ne le font pas. Et c'est peut-être ça, au fond, le design thinking. Donc, pour aller plus loin, puisque je vais vous laisser un petit peu explorer tout ça plus en profondeur. Alors, il y a le blog du projet Senior, dans lequel on a dit tout ce qu'on a fait. Puis on a des éléments théoriques, il y a plein de choses, c'est très complet. Donc, allez voir ça. C'est très bien. Sinon, venez nous rendre visite sur le stand de l'INET. Retrouvez nos travaux sur le site de l'INET. Et puis, quand on parlait de ce que les gens peuvent apporter, les Méditerranées, donc, qui sont la promotion qui nous suit, font une grande enquête. Enfin, une grande enquête, il y a 5... d'ailleurs, mais c'est une très belle enquête sur
ce qui vient dans le monde des médiathèques, en fait. Donc, n'hésitez pas à vous servir et à remplir et à venir sur le stand pour en discuter. Voilà, merci beaucoup. Je vais juste conclure, voilà, tous les élèves ont présenté leurs travaux, les remercier à la fois pour l'humour, la qualité de leur présentation, la simplicité. C'est vrai que cette rencontre s'est faite dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'INET, l'ABF et puis l'ENSIB pour valoriser un peu ce que font les élèves conservateurs, voir ce qu'ils amènent à la profession. Donc ça nous donne un peu un appétit parce qu'on n'avait pas le temps de présenter tout dans l'exhaustivité. Donc j'ai pris le principe de voilà, ma thèse en 180 secondes. Alors ils ont eu un peu plus, donc voilà. C'était aussi en fonction du nombre, hein. Comme on n'avait qu'une heure, j'ai divisé, c'était un peu brutal. Voilà, mais en tout cas merci à eux et puis j'espère que voilà, ça vous a donné envie de les rencontrer et puis de lire leurs futurs travaux ou ceux qui sont déjà en ligne. Voilà, bon appétit à tous.